Je peux pas rester, René. J'ai rendez-vous avec mon banquier. Et donc là, tu te dis que t'as bien fait de passer par le jardin? Hein? Non, laisse tomber. Mais moi, j'ai décidé de me passer de banque. Mais c'est impossible! Impossible n'est pas... Pigeon! Bien sûr que c'est possible, pas commode-commode, j'avoue, mais possible. 1% de la population préfère planquer son argent sous son matelas que le confier à une banque. Chut, t'es ouf, Kevin! Tu viens de dire à tout le monde où tu cachais ton argent! Sous le matelas, dans un coffre ou dans ton armoire... Parle moins fort! Tu sais pas qui t'écoute! Ouais, enfin, quoi qu'il en soit, j'ai plus de banque. Fini les agios et les frais de carte bancaire. Mais comment tu te fais payer? En liquide, jusqu'à 1500 euros par mois, c'est légal. Pour les jeunes diplômés ou les étudiants qui font un petit boulot, ça peut être un bon plan. Et tu payes tout en cash? Oui, jusqu'à 3000 euros, tu peux. Bon, pour certains trucs, comme le loyer, par exemple, faut négocier avec ton proprio, mais t'as le droit. Regarde Cantona. Où ça? Je le vois pas. Eh bien, il y a quelques années, il avait appelé à se passer du système bancaire, tu vois. Je suis pas tout seul. Et Cantona, c'est sûr. T'as pas trop envie de les contrarier, c'est qu'il est sanguin, hein, de là à se prendre un Mao Echeverri dans la tête. Et quand tu penses aux dérives spéculatives ou aux crises bancaires de Chypre ou de la Grèce, tu te dis que... Ouais, non, laisse tomber, tu vas rien comprendre et j'ai un peu la flemme de t'expliquer là. Ah, la Grèce, c'est quand t'es gros, tout ça là? Ouais, c'est ça, j'ai la flemme. Et puis tu vas être en retard à ton rendez-vous. Ah ouais? Mon banquier veut me voir pour me parler d'un investissement qui a l'air trop super. Fais gaffe quand même, t'as entendu parler des subprimes, les emprunts toxiques, tout ça? Toxique, comme Britney? I'm a toxic, nanana. Non, rien, laisse tomber, mais à mon avis, ta banque, il te pigeonne. Ouais, mais en attendant, je suis sûr que je vais avoir les droits à un joli calendrier, c'est cool ça. Ah, bah si t'as un calendrier alors. Mais fais gaffe quand même, les calendriers avec les chatons tout mignons, c'est la poste, pas les banques. Ah bah là, tu m'as bien cassé mon trip, Kevin. Merci, hein. Ouais, t'aurais pas dû passer par le jardin.